Les élèves de l'école sont en visite dans une centrale électrique. Ils sont accueillis par un responsable qui répond à leurs questions. Le responsable. Mes chers enfants, soyez les bienvenus dans notre centrale de production d'électricité. Élève 1. Nous vous remercions, monsieur, pour votre accueil. Élève 2. Comment fonctionne votre centrale? Le responsable. Notre centrale fonctionne au fioul. Je vous suggère d'aller voir les générateurs tout à l'heure. Je vous donne d'abord des indications sur le lieu. La centrale exige beaucoup de sécurité. Il est interdit d'entrer sans permission et de toucher aux appareils. Pour éviter tout danger, nous avons établi des conseils et des recommandations. Je vous propose de les lire ensemble ce qui est écrit cette pancarte. Élève 3. Et ces plaques avec une tête de mort qu'on voit partout? Le responsable. Ces plaques incitent le personnel et les visiteurs à faire très attention. Élève 4. Qu'est-ce que vous suggérez de faire pour éviter les dangers liés à l'électricité? Le responsable. Tout d'abord, être prudent et faire attention quand vous manipulez des appareils ou du matériel électrique comme le téléphone portable ou le chargeur et suivre les recommandations et les conseils qu'on vient de lire ensemble. Élève 5. Nous vous remercions, monsieur, pour vos conseils. Le responsable. Écoutez, mes enfants, je vous incite à être trop prudent. Avec la prudence, on peut éviter beaucoup de dangers, surtout ceux liés à l'électricité. Les élèves de l'école sont en visite dans une centrale électrique. Iden Telamid المدرسة في زيارة إلى محطة توليد الكهرباء. Ils sont accueillis par un responsable qui répond à leurs questions. إذن يستقبلوا من طرف مسؤول والذي يجيب حول أسئلتهم. Le responsable, المسؤول. Mes chers enfants, أعزائي الأطفال. Soyez les bienvenus dans notre centrale de production d'électricité. إذن مرحبا بكم أعزائي الأطفال. مرحبا بكم في محطة توليد الكهرباء. De production de l'électricité. La production إنتاج l'électricité الكهرباء. Élève 1. Nous vous remercions, monsieur, pour votre accueil. نشكرك سيدي على استقبالك. Élève 2. Comment fonctionne votre centrale? كيف تعمل محطة توليد الكهرباء? Le responsable. Notre centrale fonctionne au fioul. إذن محطة توليد الكهرباء تشتغل بالفيول. الفيول هو من مشتقات أو منتوج من مشتقات البترول وهو زيت الوقود. Je vous suggère, أقترح عليكم, d'aller voir les générateurs tout à l'heure. أن تذهبوا لتروا ماذا les générateurs أي المولدات tout à l'heure. لاحقا. Je vous donne d'abord les indications sur le lieu. أعطيكم أولا les indications إرشادات حول ماذا حول المكان. La centrale exige beaucoup de sécurité. محطة توليد الكهرباء تتطلب الكثير من الحماية والأمان. Il est interdit d'entrer sans permission. إذن ممنوع. Il est interdit ممنوع d'entrer
أن ندخل دون إذن sans permission et de toucher aux appareils ونلمس المعدات والآلات pour éviter tout danger لكي نتجنب أي خطر nous avons établi des conseils إذن nous avons établi أنشأنا des conseils يعني نصائح et des recommandations وتوجيهات Je vous propose, اقترح عليكم, de les lire ensemble. أن تقرأوا هذه النصائح والتوجيهات جماعة. Ce qui écrit cette pancarte. والتي كتبت في هذه la pancarte. La pancarte هي اللافتة. Élève 3. Et ces plaques avec une tête de mort qu'on voit partout. إذن, la plaque هي اللوحات. ces plaques أي هذه اللوحات et ces plaques avec une tête وهذه اللوحات مع رأس يعني هنا المقصود بالجمجمة التي ترمز لعلامة الخطر une tête de mort qu'on voit partout التي نراها في كل مكان le responsable ces plaques incitent le personnel et les visiteurs à faire très attention ces plaques إذن هذه اللوحات تحث طاقم العمل le personnel et les visiteurs و الزوار à faire très attention أن ينتبهوا جيدا وأن يأخذوا كل الاحتياط élève 4 qu'est-ce que vous nous suggérez de faire pour éviter les dangers liés à l'électricité إذن ماذا تقترح علينا أن نفعل لكي نتجنب أخطار المتعلقة بالكهرباء le responsable Tout d'abord, être prudent et faire attention quand vous manipulez des appareils. إذن أولاً أن تكونوا حذرين حينما manipuler أي التعامل manipuler حينما تتعاملون مع الآلات des appareils ou du matériel électrique ou du matériel électrique حينما تتعاملون مع المعدات والآلات الكهربائية comme le téléphone مثل الهاتف le téléphone portable ou le chargeur ou الشاحن et suivre les recommandations et les conseils qu'on vient de lire ensemble وأن نتبع التوجيهات والنصائح التي قرأناها جماعة élève 5 nous vous remercions monsieur pour vos conseils نشكرك سيدي على نصائحك le responsable écoutez mes enfants Je vous incite à être trop prudent. Avec la prudence, on peut éviter beaucoup de dangers, surtout ceux liés à l'électricité. اسمعوا أطفالي. Je vous incite à être trop prudent. إذن أحثكم أن تكونوا حذرين جدا. Avec la prudence, مع الحذر, on peut éviter beaucoup de dangers. نستطيع أن نتجنب الكثير من الأخطار, surtout ceux liés à l'électricité, خصوصا المتعلقة بالكهرباء. Communication et acte de langage. Objectif, le هدف. Suggérer, proposer, يقترح. Donner des indications, يعطي مؤشرات. Inciter à faire, يحث على فعل شيء ما. Avant l'écoute, j'observe et je découvre. إذن لاحظوا هذه الصورة ماذا لدينا هنا. On a deux hommes et des enfants. Très bien. Donc La première question, que représente ce dessin Deux hommes et des enfants. Où se passe la scène Dans une centrale électrique. Idem, في محطة توليد الكهرباء. Combien de personnages vois-tu comme لدينا من شخصية إذن لدينا تسع شخصيات donc 9 personnages qui peuvent-ils être من يكونون donc sont des élèves ou bien des écoliers تلاميذ أو متمدرسون numéro 5 à ton avis de quoi parler donc في نظرك عن ماذا يتحدثون donc Il parle de la centrale ou bien de la production de l'électricité.
Pendant l'écoute, j'écoute et je comprends. Question numéro 1. Qui répond aux questions des élèves? إذن من يجيب على أسئلة التلاميذ. Donc c'est qui? C'est le responsable de la centrale. Numéro 2. Que suggère le responsable? إذن ماذا يقترح المسؤول? Donc le responsable suggère d'aller voir les générateurs tout à l'heure. إذن يقترح أن يذهب في زيارة مع الأطفال لرؤية ماذا les générateurs أي المولدات الكهربائية. Question numéro 3. Que propose-t-il aux élèves? إذن ماذا اقترح عليهم? Donc il leur propose de lire ensemble ce qui est écrit sur une pancarte. إذن اقترح عليهم ماذا؟ أن يقرأوا جماعة ما كتب في ماذا؟ في لوحة الإرشادات la pancarte. Numéro 4. Que comporte la pancarte? إذن على ماذا تحتوي la pancarte? إذن هي لافتة. Donc des conseils et des recommandations. إذن نصائح و التوجيهات. Numéro 5. Quelle indication donne le responsable? ما هي الإشارات أو التوجيهات التي يعطيها le responsable et le مسؤول? Donc des indications sur le lieu. Donc il donne des indications sur le lieu. يعطي ماذا إشارات حول المكان. هذه اللوحة تصلح لماذا؟ تصلح لكي تحث الطاقم العمل والزوار لكي يكونوا حذرين جدا. دونك ال انسيت لو بيرسونيل هو الطاقم العمل لي فيزيتور الزوار ا فير تري اتونسيون ان ياخذوا ان يكونوا حذرين. نيميرو 7. Comment peut-on éviter les dangers liés à l'électricité? إذن كيف يمكن أن نتجنب الأخطار المتعلقة بالكهرباء؟ Donc دائما حسب الحوار être prudent, أن نكون حذرين, et faire attention. Donc faire attention la même chose. نفس الشيء. Après l'écoute, j'exploite. إذن هنا لدينا une fille manipule une rallonge électrique. تتعامل مع la rallonge électrique. Observe l'image et donne des conseils à cette petite fille. إذن ألاحظ الصورة وأعطي نصائح لهذه البنت الصغيرة. Donc ما هي النصائح التي يمكن أن نعطيها؟ Donc يمكن أن نقول je te conseille de ne pas toucher aux rallonges électriques. أنصحك ألا تلمسي la rallonge électrique. Ou bien نقول je te conseille de ne pas manipuler des appareils ou du matériel électrique. حسب الحوار أعيد je te conseille, أنصحك, de ne pas manipuler des appareils ou du matériel électrique. أنصحك ألا تتعاملي مع المعدات والآلات الكهربائية sans permission. إذن بدون أخذ الإذن. يمكن أن نقول أيضا je te conseille de suivre, أنصحك باتباع les recommandations, التوجيهات et les conseils والنصائح de sécurité أي الأمن والحماية. إذن je te conseille de suivre les recommandations et les conseils de sécurité. Observe cette image et explique à tes camarades ce que tu vois. إذن لاحظ هذه الصورة واشرح لزملائك ماذا ترى. إذن لدينا les plaques solaires, une pompe à l'eau, مضخة الماء. إذن المضخة تركب عادة في البئر. إذن ماذا نقول pompe de puits. إذن مضخة البئر fonctionne avec l'énergie solaire. إذن تعمل بالطاقة الشمسية. إذن هذه المضخة لماذا تستعمل؟ Elle est utilisée pour l'irrigation des cultures. تستعمل لسقي المنتوجات الفلاحية.
l'abreuvage des animaux, إذن شرب الحيوانات أو البهائم, أو pour l'utilisation domestique أو للاستعمالات المنزلية. إذن هذه الطاقة الشمسية, إذن ماذا نقول؟ هذه الطاقة طاقة نظيفة ومجانية. Donc cette pompe à eau fonctionne grâce à une énergie, إذن تشتغل وتعمل بفضل une énergie renouvelable, بفضل طاقة متجددة, et gratuite, ومجانية. Boîte à outils, nom, اسماء, barrage, centrale, turbine, mur, usine, pylône, câble, eau, rivière, chute, étendue. Verbe, suggérer, proposer, donner des indications, construire, bâtir, construire, bâtir, et bina. Produire, intej, arrêter, توقيف, exploiter, يستغل له, transporter, ينقله, faire tourner, إذن تدير, descendre, يهبط. Les adjectifs, لدينا grand, vaste, أي شاسع وواسع, électrique, utile, utile يعني مفيدة. Observe l'image, لاحظ الصورة, suggère et propose à tes camarades ce qu'il est possible de faire sur ce site pour produire de l'énergie. Donne des indications précises. إذا لاحظوا الصورة واقترح أو اقترح على زملائك ce qu'il est possible de faire sur ce site. ماذا يمكن أن نقوم به في هذا الموقع pour produire de l'énergie, لكي ننتج الطاقة. Donne des indications précises. إذا اعطي إشارات أو توجيهات دقيقة. ماذا يمكن أن نقول هنا؟ Donc je vous propose, اقترح عليكم, de construire un grand barrage, ببناء سد كبير, un grand barrage. L'eau va faire tourner les turbines, إذن الماء سيدير التوربينات. Relier à un alternateur, إذن هذه التوربينات تكون مرتبطة ب un alternateur, مولد. Donc relier à un alternateur qui produit l'électricité, والذي ينتج الكهرباء. La centrale électrique, إذن محطة توليد الكهرباء, alimente les foyers et les usines, إذن تزود بالكهرباء البيوت, les foyers et les usines, المعامل. إذن قبل الختام أكيد أنكم لاحظتم بأنني أحاول أن لا أعطيكم الإجابة مكتوبة لكي أترك لكم مجالا للإجتهاد والإبداع. أنا فقط أقربكم وأوجهكم إلى إيجاد الإجابات الصحيحة. إذن هذا كل ما لدينا اليوم, أتمنى أن ينال الدرس إعجابكم. قبل أن أودعكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب, الاشتراك في القناة, تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد, وتقاسم الفيديو مع زملائكم لكي تعم الفائدة. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.